et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Rencontre du Deuxième Type. Je suis toujours Jules. Et je suis toujours Nico. Aujourd'hui, on parle ni comics ni BD, on est là pour parler manga, un manga que Nico m'a prêté, il s'agit de... Tsugumi Project tome 1. Tsugumi Project. Tsugumi Project. Tsugumi Project. Édité, c'est Kiyun. Qu'est-ce que j'ai dit? Édité, c'est Kiyun. Alors, Kiyun, qu'est-ce que c'est? N'importe quoi. Alors, Tsugumi Project, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est vachement bien. Eh ben, voilà. Alors, c'est l'histoire d'un mec. C'est l'histoire d'un mec. Alors, bon, le mec, non. C'est l'histoire d'un gars voilà. Qui, en tenue militaire... Alors, moi, ça m'a beaucoup fait penser à la série The 100. Je sais pas si tu connais. Tu connais pas? Non. Ou, en gros, comme vous le savez, pour ceux qui ont regardé The 100, en fait, le cadrage est vachement mieux comme ça. C'est pas faux. Ouais. Pour ceux qui savent pas, en gros, on n'avait pas le choix que de revenir chez moi. Pour le coup, pour une fois, on est dans le canapé. Parenthèse fermée. Donc, comme la série The 100, on est dans un monde post-apo où on est un peu en orbite, ou en tout cas pas là où c'est le bordel. Et en l'occurrence, c'est le bordel au Japon. On n'est pas dans un monde post-apo, mais plutôt un Japon post-apo. Oui, c'est ça, ouais. Et pour le coup, comme dans The 100, on prend des détenus pour aller au charbon, et en l'occurrence, aller récupérer une arme qui s'appelle donc Tsugumi. Et cette arme qui est la raison pour laquelle le Japon a été exterminé, décimé par une arme nucléaire, parce que les pays occidentaux, comme la France ou certains pays européens, avaient peur du développement de cette arme, et plutôt que de laisser le développement de cette arme aller jusqu'à son terme, ils ont préféré bombarder le Japon d'armes nucléaires, et donc le Japon est décimé. Comme ça, c'est fait. Plus personne. Hein. Enfin, voilà. On est beaucoup plus sur le principe de vaut mieux prévenir que prévenir. Vaut mieux défoncer la gueule voilà. que d'attendre. Et donc j'ai vachement bien aimé. Donc comme je le disais, ça fait penser à The 100 parce qu'on prend des détenus et on en fait un peu une équipe commando comme ça ou Suicide Squad peut-être. En gros comme ça, s'il meurt, pas grave, c'est ça. En l'occurrence, on prend des détenus qui sont assez badass, assez couillus, puisqu'ils ont tous des compétences un peu... Et donc, hop, ils prennent un coucou, ils survolent le bazar, et... alors, problème technique, ou roquette, ou je ne sais quoi, je ne sais plus, si c'est un truc naturel, on ne sait pas, je crois. En tout cas, ils s'écrasent, et donc il en ressort un des personnages qu'on suit depuis le début, qui s'appelle Léon. Léon. Et qui est... Bon, le mec, on sent qu'il est badass, hein... On le voit avec la couverture. Hein, le mec est militaire, faut pas lui faire. Donc il déboule, donc il s'écrase et donc ne reste que comme survivant, en tout cas apparemment, Léon. Qui va prendre les choses en main et qui va essayer de rallier un checkpoint finalement. Ouais, c'est ça. Repartir, pour pouvoir repartir. En fait, il est censé trouver l'arme en question. Voilà. Cette arme, s'il la trouve, il sera lavé de tout soupçon, enfin tout ce pourquoi il est condamné. Donc on va peut-être qu'il est français. On va peut-être s'arrêter là. Ouais, carrément. Pour le coup, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Pour le pitch, non. Bah mais est-ce qu'on spoil du coup? Non, puisqu'il s'écrase au début. Il s'écrase au début. C'est de plus en plus compliqué, je trouve, de ne pas spoiler. En fait. Moi, je trouve pas. Non, voilà. Je trouve que c'est ce que, par rapport à ce quoi... Le débat est clos. Ce qui est bien avec les avis... Et les... avec les avis tranchés. C'est que ça relance le débat. Ça relance le débat. Et du coup, donc il va faire son passage. Et alors toi, qu'est-ce que t'en as pensé pendant que je règle au-dessus parce que je l'ai pas fait? Ce que j'en ai pensé, c'est que j'ai été... Alors moi, c'est déjà... Explique comment t'as eu C'est-à-dire que... On s'est mis au manga avec Jules depuis, enfin véritablement au manga depuis très récemment, depuis cet été on va dire. Et depuis, je suis un peu l'actualité manga et des sorties. Je regarde différents sites et puis je cherchais, j'avais chopé un manga d'occasion et je cherchais un peu avant de l'acheter des infos sur ce manga en particulier. Et donc je vais sur une page, je sais plus comment ça s'appelle, Manga News ou je sais pas quoi, et je regarde les infos. Et sur cette page, il y avait... une pub, parce que j'étais sur mon téléphone, une pub de ce manga-là. Non. De ce manga-là. Le mec va la refaire à tous les, à tous les coups, quoi. Bon, il y avait une pub pour ce manga qui... Déjà, la couverture me hypait de ouf. Et j'étais en voir... Il allait sortir, il était pas encore sorti, il allait sortir. Et j'ai vu les premières pages du manga, je me suis dit, oh purée, ce truc, il faut que je l'achète. J'ai vu le pitch un peu du bazar, je l'ai acheté. Et je regrette pas de l'avoir acheté.
parce que j'ai tout de suite adoré le postulat de départ. J'ai adoré les premières pages, les premiers chapitres. Mais du coup, si ça te dit, alors c'est un peu plus teenage, forcément, on n'est pas du tout là-dedans sur le manga. Mais The Sun, c'est carrément ouais, ça. D'accord. C'est dispo sur Netflix, d'accord. Il y a 5 saisons. Moi, j'en ai entendu que du bien. J'ai un gros problème avec The Sun parce qu'en gros, j'ai démarré la saison 1 et ça fait 3 fois, je crois, que je m'arrête au même épisode. Donc il y a des fois, il ne faut peut-être pas s'acharner non plus. Non, non, c'est... Mais en tout cas, c'est le même pitch de départ. D'accord. Hein. Ok. Et donc, excuse-moi. Du coup, non, le truc, c'est que j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré tout au long du manga, le côté huis clos. Même si le côté huis clos, il n'est pas en termes géographiques, il est par rapport au fait qu'il n'y ait pas beaucoup de personnages qui interviennent dans le manga. Il y en a pour tout 3, voire 4 avec l'animal là. Ouais, hein. Alors pour le coup, on va vraiment pas spoiler. Non, parce que... on peut pas spoiler parce que il n'y a pas de raison de spoiler dans Mais non, mais attends, je commence par la fin. Putain, je suis trop con. C'est un manga. Je suis trop con. It's a manga. Du coup, je pense que dans le truc, je vais vous le flouter et vous ne verrez rien jusqu'ici. Je suis vraiment désolé. Bref, n'importe quoi, je suis vraiment désolé. J'ai beaucoup aimé cette espèce de huis clos qui n'est pas géographique, mais qui est plutôt par rapport au nombre de personnages qui interviennent. Ce côté aussi où j'ai l'impression... c'est étrange, je ne sais pas si ça t'a fait cette impression. J'aime bien me donner mes premières impressions en général. Le côté, on a l'impression d'entendre le silence qui règne dans cette espèce de vent qui siffle. Quand il est au Japon, quand il est, c'est Tokyo, j'imagine. Et si je me souviens bien, tout ce silence qu'on entend, ça résonne quelque part. On a l'impression d'entendre le résonnement, les différents échos, des bruits qu'il peut faire de ses pas, de sa respiration. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au début, on est vraiment dans une introspection, dans un espèce de monologue intérieur avec le personnage, et qui va, au gré du manga, faire deux rencontres particulièrement qui vont l'amener dans ses différentes pérégrinations. Mais c'est là qu'il se retrouve vite, justement, donc... rescapé de toute cette histoire. C'est ça. Il y a un gimmick comique. Ouais. Avec je ne sais plus comment il s'appelle. Comment il s'appelle c'est je ne sais plus comment il s'appelle. Attends, je vais essayer de retrouver. Mais effectivement, on le voit assez vite. Et alors c'est ce personnage-là. Le copain, ouais. Mais alors comment il s'appelle? Il a un nom qui ressemble à l'onomatopée, non? C'est pas ça? En tout cas, effectivement, c'est lui qui va être le ressort comique du truc. C'est et ça. Voilà. Mais ça marche pas mal, je trouve. Ça marche. Je m'appelle Doudou. Doudou, c'est ça, Doudou. Les dessins sont juste ouf, hyper détaillés. Ouais, ça c'est mortel. Ouais. Mais c'est pas du tout onirique, hein. C'est beaucoup plus post-apo, comme on vous le disait. On est dans un univers un peu à la Mad Max. On a vu qu'un humain jusqu'ici. Jusqu'ici, ouais. Donc il va rencontrer très vite une jeune fille chevauchant un espèce de lion. Lion géant, ouais, gigantesque. Un peu à la Musclor, je trouve. Ouais, ouais. Il va croiser ces personnages mi-humain, mi-chimpanzé, mi-babouin. Bah, c'est-à-dire que la question qu'on se pose, on en a parlé en off tout à l'heure, c'est que... Mais ça m'a beaucoup fait penser au babouin dans Tarzan, dans le... Ouais, dans, c'est vrai. Dans le la question qu'on se pose par rapport à ces personnages un peu hybrides, c'est que, étant donné que le Japon a été bombardé de bombes nucléaires, donc les radiations, on peut y mettre l'hypothèse, puisqu'on n'en sait rien du tout par rapport à celui-ci, même au deuxième tome que moi j'ai lu, on n'en sait rien de qui ils sont. C'est-à-dire qu'on peut, imaginer que c'est des êtres humains ou des descendants des êtres humains qui ont été irradiés il y a 200 ans au moment où le Japon a été bombardé par des bombes nucléaires. Ou alors, c'est des animaux qui sont échappés dans un zoo. Encore une fois, je t'invite à aller regarder The Sun parce que... Ouais. Et pour le coup, donc voilà, il lutte au quotidien pour essayer de survivre dans ce monde où il est tout seul jusqu'à rencontrer donc la demoiselle avec... ce lion, il a vraiment du mal, hein. C'est vraiment de la survie, il a du mal à trouver à bouffer, enfin, c'est vraiment, vraiment compliqué. Mais le fait que le mec, on sent que c'est un survivor, parce que le mec, il sait ce qu'il faut qu'il cherche d'abord pour commencer à survivre. Complètement. Donc il cherche des magasins, il se dit, tiens, peut-être que je vais trouver des choses, des trucs de survie, des armes, des machins, et donc on sent que le gars, il sait ce qu'il fait, mais il souffre un petit peu quand même, hein. Il est pas bien. Hein. Tout à fait, et il finit par rencontrer donc cette Exactement. Demoiselle, hybride également, puisqu'elle a des pattes d'autruche. Ouais, c'est ça, c'est des pattes d'autruche. Elle a une capacité de courir hyper vite et de sauter. Elle est très agile, voilà, effectivement. Beaucoup d'agilité. Et faut
Alors, elle a l'air très très gentillette, très très sympathique. Faut pas l'embêter. Hein. Non, parce qu'elle est très 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 féroce. Hein, ouais. Rien. De la même manière que son. Tellement beau ce lion. Ouais, c'est un lion. Magnifique. Assez... Je me souviens plus de son nom, mais c'est pareil. Il faut vraiment pas l'emmerder. C'est, vous voyez, même lui, il sait pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est un ours, un tigre ou quoi? Et c'est voilà, c'est quelque chose qui interroge beaucoup au premier tome. Qui place les personnages, alors je vais essayer de pas forcément en dire beaucoup plus, c'est, je le trouve très très bien dosé en fait. Totalement. Parce que bah, y a ce côté futur, y a ce côté no futur, il y a ce côté apo, il y a ce côté apocalypse dans notre monde. Tu sais, c'est un peu une île fermée, enfin un truc fermé quoi. Bah, il y a une forme d'autarcie quoi. Le Japon, c'est des archipels. Complètement. Et là, il est sur l'île principale du Japon. Je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, cette île principale dans la vraie vie. Mais je crois qu'il est à Tokyo. Hein. Il est à Tokyo là. Et de toute façon, il est en autarcie quoi. Il y a personne, il rencontre personne à part la jeune fille et puis son copain Doudou dont on parlait tout à l'heure. Ils sont seuls, quoi. Mais du coup, c'est vachement bien dosé, et il y a de l'action, il y a du survivalisme, il y a de l'onirique, parce qu'il y a aussi de ça. Totalement. Avec la fille. Elle est vraiment partagée entre dureté, tu vois. Totalement. Elle est robuste, féroce, mais elle est aussi, ne serait-ce que de la manière dont elle est dessinée, avec ses cheveux au vent, enfin... Il y a quand même quelque chose de féerique, de beauté, enfin, je sais pas comment le dire. Non, je... Et tout ça, oui, c'est contrebalancé avec, par exemple, la férocité des... On va les appeler les babouins, qui les courent, et franchement, ils foutent les jetons, quoi. Totalement. Et donc, oui, il y a une action, horreur, survivalisme, survival horror. Voilà, c'est un peu tout ça. Ça présente vachement bien les personnages pour le premier tome. C'est super efficace. On a, à la fin, un dossier spécial qui regroupe les informations qu'on a sur les médicaments utilisés, sur la fille aux pattes d'oiseau, sur l'archipel, sur Léon, un peu plus précisément, qui nous est présenté comme un dossier secret, finalement, avec ses points forts, ses points faibles. For you, ça ancre, en fait, le manga dans la réalité. Tout à fait. C'est assez intéressant de ce point de vue-là, justement. Et j'ai passé un très bon moment, et moi, je le recommande vachement. Totalement, moi aussi. Et pour le coup, quand je dis qu'il est bien dosé, c'est qu'il y a juste les réponses qu'il faut. Voilà, moi ça me fait penser aussi à Lost par exemple. Il y a juste les réponses qu'il faut pour nous donner envie de choper le tome 2 et allez-y parce que c'est que du bon. Bah, moi j'ai acheté le tome 2, je suis pas déçu. Tu l'as lu le tome 2? Ouais. Et putain, il faudra vraiment que tu le lises. Ouais. Et ouais, en tout cas, et tu as d'autres réponses dans le 2 ou... Bah, y a des choses en plus, forcément, ça évolue. Et c'est Est-ce que ça pose d'autres questions ou est-ce qu'on reste Ça pose d'autres questions. Il y a les mêmes questions, mais ça pose aussi d'autres questions. Et J'ai aucune idée de combien il y a de manga aujourd'hui. Moi non plus. Et j'espère par contre que ce sera pas une grosse série, une grande série en fait. Je pense qu'il n'y a pas matière à faire une grosse série. Ça va faire peut-être, je sais pas, 8, 9 tomes. J'allais dire, dizaine de tomes, et c'est bien quoi. Parce que si c'est comme Kingdom où il y a quoi, il prévoit 100 et quelques tomes, non, c'est ça? C'est ça, hein? Ouais, je crois bien. 120, 125, il avait dit l'auteur. Attends, moi je l'ai acheté cet été. D'accord. En fait, il est sorti début juillet, le truc, tout début juillet, le premier tome, et le deuxième tome fin août ou début septembre. Et le troisième tome va pas tarder à sortir, je pense, parce que les rythmes de publication, c'est un peu ça. Bah, moi, en tout cas, on vous conseille vivement. Bonne découverte. C'est une très belle découverte. Même pour moi aussi, j'ai eu un peu peur parce qu'on n'en parlait pas trop dans le. Tu sais, comme on peut faire pour certaines sorties de manga. Ou même d'autres comics ou quoi. Il y a un côté alien aussi. Non, ouais, totalement. Et celui-là, c'est vraiment un genre indépendant dans le manga, j'ai l'impression. Il est d'ailleurs estampillé, je vous dis, création originale. En tout cas, faites-vous votre propre avis, que ce soit de l'Atelier des Sorciers, du Kingdom ou du Tsugumi Project. L'important, c'est de lire. Allez, ciao. Allez, bisous. Bisous.